Salut à tous, on va faire un nouveau tuto. On va créer un logo de construction avec CorelDRAW. Donc comment ça marche, rapidement. On va plus trop tarder, on va juste prendre un nouveau dossier. Salut à tous déjà, donc on va créer un logo const. Donc on savait du logo de construction, donc du coup on va prendre une page A4 et mode d'orientation, paysage et non portrait. Vous pouvez le faire en portrait aussi, donc je l'ai dit, je n'existe rien, on apprend tous. Donc on va tout faire ça avec juste un outil, l'outil rectangle, tout simplement. Donc je prends l'outil rectangle, je dessine ça. Bien, je dois convertir celui-là. Tac, deuxième outil. Je clique ici. Bien dans la barre de contrôle. Et puis bah, merci, je le ressors. Bien. Donc, j'ai ça déjà et je peux dupliquer si je veux pour avoir juste l'autre à côté. Ok, je le réduis. Bien. Je duplique ça aussi au contrôle D ou bien plus. Je mets dans cette disposition. Parfait. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'outil rectangle également. Je vais dessiner un trait comme ça. Ok. Je donne le fond de l'embouteillage. Parfait. Je vais dupliquer, CTRL D ou bien plus, pavé numérique. Déposer ça, ça sera. On va loger le nom là-bas. Parfait. Ici, on va faire un dégradé en fait. Donc, du coup, je vais donner déjà une couleur quelconque. À supposer que vous voulez du rouge et du noir. Donc, je suis du rouge déjà. Mais je vais avoir un contour aussi à l'intérieur. Donc je vais dupliquer l'élément là qui est là déjà, plus. Je vais le réduire. Voilà, bon lui je peux le baisser ici, c'est pas grave. Le fond, je vais annuler son fond, bien sûr. Donc clic gauche à l'intérieur. Son contour, je vais le faire clic droit, contour blanc. Je vais augmenter la taille du contour. Là. Il met un point et bien 1,5. Bien. Donc ici le premier, je vais donner un contour de je vais donner le dégradé ici. Je reviens ici dans la barre de contrôle, deuxième. Ok. Je reviens pour dégradé. Ici, je vais lui donner la couleur que je veux. C'est une deuxième couleur. Voilà. On va juste utiliser ça. Bien. Et là, on va essayer de mettre, bien sûr, pourquoi pas de fenêtre. Bien avant les fenêtres. On va essayer de donner une porte, par exemple. Voilà. La couleur. Ok. Bah, je vais dupliquer ça aussi. Vais donner une couleur comme ça. Deuxième, je prends le deuxième outil. Je clique ici, je baisse comme ça. Parfait. Donc, je vais installer comme ça. Et là, je vais mettre des fenêtres. Ok. Quelle couleur? La couleur blanche, bien sûr. Et du plus, le CTRL D. Bien. Je mets un shift pour sélectionner les deux. Je fais plus, le CTRL D. Je dépose une fois. Et puis, je fais aussi l'espace malien. Je fais CTRL D. CTRL D. Bien. Lui seul seulement, je lui duplique lui seul.
Même si on shoot, et puis je fais CTRL-D, CTRL-D, CTRL-D. Mais jamais j'ai pas besoin. Donc, je maintiens Shift, clic droit, ordre, premier plan, c'est la distribution en fait. Donc, je ne vais pas souvent. Voilà, il y a un truc comme ça. Juste, je vais donner quelques couleurs, je vais donner une couleur rouge. Je vais dupliquer plus à l'intérieur, je vais juste le réduire. Le fond de remplissage je vais le mettre de gauche. On a le contour, je peux augmenter à 1.5 pour avoir le même contour de l'autre. Et le tiers de couleur, bien sûr, là. Je vais faire un noir, c'est pas grave. La fenêtre, on peut sélectionner cette fenêtre là, je fais plus. Je dépose ça ici. Le même encore. Je sélectionne les deux un peu plus. Je dépose ici. On dépose bien les deux derniers. Voilà. J'ai ça. Je dépose ça aussi. Je dépose ça ici. Je vais mettre comme ça. Le minus de rouge. Ok. Allez, je vais dupliquer ça. Je vais ça. Je peux prendre celui-là aussi, je duplique ici. Bien. Alors, qu'est-ce qui reste ici le nom de la boîte. Reste France par exemple. Reste construction. Même ça, la couleur là, si je veux avoir du dégagé, je peux utiliser ça. Si je veux avoir de l'ombrage apporté, ou bien la projection, ou l'ombre apportée, je peux utiliser ça. Ok, bien, je vais un peu comme ça. Bien. On peut utiliser ça. Voilà. CTRL D pour plus de cours. Ok. Donc on peut s'amuser à faire des trucs comme ça, aussi simple que banal. Vous avez quelque chose qui ressemble à un milieu, mais qui est un logo de quelqu'un. Après, ça c'est pour les débutants. On pourra améliorer au fur et à mesure et pourquoi pas faire encore mieux plus. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Juste avec l'outil rectangle, vous savez déjà que je veux déjà faire quelque chose avec. Donc par conséquent, on se reprend la semaine prochaine. Commentez, likez, partagez. On se reprend la semaine prochaine, tout va bien. Allez, ciao, ciao.